Salut chérie, dans 10 minutes. À tout à l'heure. Non, mais regarde-le-moi avec ses jambes de baltringue. Tu les as piquées sur un caddie ou quoi? Des cigarettes? Ouais.
Mais d'où est-ce que tu fais mon mec? Prends ta connard et puis ça, je t'attends, moi. Viens, allez, je vais te fumer. Désolé, patron. Je l'ai manqué. Viens là, chérie. Ça va, t'as rien? Non, c'est bon. T'inquiète. Tu m'as sauvé la vie. Tiens, prends ça. Où t'as eu ce truc-là? Toi, alors? Asseyez-vous, Monsieur Hand. Attention à ce que vous dites. Bonjour, Monsieur Hand. Je suis l'inspecteur Blondie DiMaggio et voici mon équipier. Oui, on a déjà fait connaissance. On dirait que c'est votre jour de chance, Monsieur Hand. Jack, c'est ça? Ouais. Vous pouvez encore sauver votre peau. Et de quoi vous parlez? Jack, tu sais très bien que t'es dans la merde jusqu'au cou. Bon, je veux parler à mon avocat. Tu veux quoi? Je veux mon avocat. On a retrouvé à qui appartenait la bagnole. Ah oui, à qui? Jack Hand. Tu en es sûr? Les plaques correspondent. Il l'a enregistré à son nom. Tu sais, Jack, il y en a qui naissent avec de la chance, mais toi, on peut dire que tu l'as vraiment bordé de nouilles. Alors comme ça, tu espérais pouvoir monter en grade. On dirait qu'on en veut au même bonhomme. À part que moi, j'envoie pas des clowns pour essayer de le tuer. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Jack, je viens de recevoir le rapport d'une de mes équipes. Ils ont vu l'un de tes sbires s'essayer au ball-trap sur Dimo, mais sans grand succès. T'entends, Al-Qaïd? On a de quoi t'envoyer au trou. Alors avant de nous les briser avec ton avocat, et bien que ce soit pas dans ma nature, je vais te donner un petit conseil. Écoute ce que mon ami Blondie a à te dire. Parce que dans l'état actuel des choses, c'est la meilleure chance que tu as de t'en tirer. On peut régler ça de trois façons différentes. Premièrement, on peut t'inculper de trafic de cocaïne et de tentative de meurtre. Deuxièmement, on pourrait faire savoir à Dimo que tu as voulu le faire tuer et te libérer. Ou troisièmement, tu coopères et on abandonne les poursuites. Je vais te dire, Jack, pour moi, tu n'es rien d'autre qu'un tout petit poisson. Et c'est grâce aux petits poissons comme toi que je peux attraper les gros requins. Eh oui, tu vas me servir d'appât. Plutôt bien roulé, la collègue. La ferme. Salut, Carly. Zed. Zed. Quoi? Oh, excuse. Sympa tes cheveux. Il a ruiné ma caisse. Ouais. Ok. Pas de problème, ta carte blanche. Retrouve-le-moi, c'est tout ce que je veux. À plus tard. Salut Zed. Ça va? Enfilez. T'as du nouveau? Pas encore. Et de ton côté? Hey Zed, un petit cocktail? Non, merci, ça va. Bon, on y va parce qu'on n'est pas en avance. Ok, c'est parti. Je vois que t'as retiré tes pompes. Ouais. C'est bien. Allez, à ce soir. Où il est passé, ton bolide, Dimo?
On nous a signalé qu'un incident avait eu lieu ici. Quel incident? Ah, je ne sais plus. C'était quoi déjà? Une invasion extraterrestre. Je crois, du moins, c'est ce que racontent les témoins. Il semblerait qu'un martien se soit posé ici, qu'il ait pris ta caisse pour un vaisseau ennemi et qu'il l'ait désintégré. Alors, pour vous épargner un tour au poste, nous sommes venus ici prendre votre déclaration. Voyez-vous, c'est faux ce qu'on raconte sur nous. Nous sommes des gens bienveillants. Pas vrai, Peter? Oh oui, bienveillants. Et on veillera à te faire tomber, Dimo. Tu sais, j'en connais qui jouent à un jeu dangereux. Nous savons tous que pour chaque jeu, il y a un vainqueur et aussi un perdant. Pour moi, c'est pas un jeu. Je suis un professionnel. Oh, mais moi aussi, Dimo. Ça, tu peux me croire. Moi aussi. Il se prend pour qui, lui? Fais demi-tour. Moi, je vais poser quelques questions à la demoiselle. La Kodak. Je crois que c'est qui que ce soit, il a intérêt à faire ses prières. Tu m'excuses, faut que je téléphone. Allô? Ouais, c'est bon. Ah, dis-moi. Je me demandais quand tu appellerais. Il paraît que tu as des problèmes. Comment est-ce que tu sais ça? T'es devenu voyant maintenant? Non, dis-moi. Mais je laisse traîner mes oreilles dans les lieux stratégiques. Il faudrait qu'on se voie pour prendre le thé. Oh, le thé. C'est une excellente idée. Et le thé peut guérir de nombreux maux. Là, je suis dans le centre. Je devrais arriver dans environ 3 quarts d'heure. J'ai hâte de te voir. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que tu conduis comme un manche. Là, t'es dur. Sans déconner, Z, t'es le mec le plus casse-cou que je connaisse. Je me rappelle quand t'as tiré tout droit dans le fleuve à vélo. Sans l'aide de Bobby et de Slay, tu serais toujours au fond. Tu parles d'une connerie. Mon vieux était Furax. Je l'avais eu pour Noël. Et la faute est rentrée dans un car scolaire en roller. Le chauffeur était blanc. Il était persuadé qu'il t'avait tué. Je veux dire, il en revenait pas que tu sois encore en vie. Moi aussi, je te croyais vraiment mort. Même qu'il était tellement choqué qu'il en a pissé dans son froc. Et qu'est-ce que tu veux? Personne n'est parfait. Mon pauvre Zed. Tu changeras jamais. C'est ce que j'aime en toi. Bobby, je veux que toi et Slay, vous me retrouviez à l'entrepôt ce soir à 7h. C'est ça, ouais. À ce soir. Avec ça, on va gagner 50 chevaux minimum. Tu veux dire? Qu'en mélangeant à l'essence de l'oxyde nitreux maintenu à basse température, ça permet d'injecter encore plus de carburant dans le moteur. Ouais, plus d'essence. Plus de puissance. Exactement. Et alors, combien ça dure une bouteille d'azote? Ça dépend. Là, comme c'est réglé, par exemple, l'alimentation est commandée par un bouton. Et si tu l'éteins pas, tu vides ta bouteille en une minute. Si tu veux faire fumer tes pneus, il y a pas mieux. Salut, Zed. Dimo. Ça va? Tranquille. Et ta caisse? À l'atelier. Faut qu'on parle. J'en sais rien. Je vois. Ouais. Ok. Du nouveau? Non, que dalle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a tiré sur Dimo. Et c'est sa bagnole qui a tout pris. T'as une idée de qui ça peut être? On ne sait pas encore. Même pas une rumeur? Même pas. Tu
Disons que certaines personnes n'aiment pas notre façon de faire du business. Alors quand vous serez dehors ce soir, faites gaffe. Et si vous entendez quelque chose, quoi que ce soit, dites-le-moi tout de suite. Allez. Et faites attention à vous. Allez, Shifty. Ah, Sly. Ben, ce bastard, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. Salut, Sly. Willy, comment va? Pas trop mal. Et toi? Ça va. Écoute-moi. Quelqu'un a tiré sur Dimo aujourd'hui. T'en as entendu parler? Sandek. Qui aurait pu faire ça? On sait rien. Mais si t'entends quelque chose, tu sais où me trouver. Oh, bah oui, bien sûr. Pas de problème. Là-dessus, tu peux me faire confiance. Je sais. Le temps des embrouilles, c'est fini. Exactement. Même si de temps en temps, je t'avouerai que je suis tenté. Mais j'arrive à me retenir. C'est bien. Allez. Kitty. Salut, Sly. Arrêtez, vous allez m'exciter. Allô? Dimo? C'est Jack Hand. Dis donc, je t'appelle parce que j'ai une proposition à te faire qui devrait plutôt t'intéresser. De quoi booster ton chiffre d'affaires. Tu vois ce que je veux dire? Je t'écoute, Jack. Bon, ok. Je préfère pas discuter de ça au téléphone. Retrouve-moi à 11h dans la boîte du casino. Ok, à tout à l'heure. Caisse en plastique, made in Japan. Elle va bien. Salut, Sparky. Salut, Sly. Ça va, Bobby? Elle a l'air mortelle, ta caisse, Sparky. Et toi, alors, ton nouveau système, ça marche? Ça déménage, hein, Sly? Ouais. Tu verrais la puissance. C'est à t'en décoller la peinture. Ah ouais? Ben, attendez de voir ça. Ok, Pouli, mets les gaz.
C'est bon, Polly. Tu crois pas que c'est un peu trop, Sparky? Je veux dire, à quoi ça sert? Ah. Le V8. Vous y comprenez rien, Eve. Hé, hey, dites à Dimo que je passerai lui déposer sa bagnole ce soir. Salut, Sparky. 10 kilos, Dimo. Et qui a autant de blé? Il y en a au moins pour 800 bars. Les kiwis. C'est un gang de motards. J'ai déjà fait un peu affaire avec eux, mais ils veulent acheter en gros maintenant. Et apparemment, la douane américaine entraverait le passage au sud du Cap Horn. Et où t'interviens là-dedans? Alors là, c'est pas tes oignons. Enfin, bref. Sache seulement que je connais du monde. J'ai monté une affaire d'importation avec des Néo-Zélandais. De l'eau minérale, c'est bon, non? Tu sais, le genre qu'on fout dans le biberon des gosses. Et puis je fais aussi un peu de trafic avec les gangs qu'ils ont introduits ici. J'ai toujours eu de bons résultats, du coup. Salut Sniff. Entre, je t'en prie. Oh, désolé, Barbara. Eh ben alors, regarde un peu où tu marches. Entre, Zed. Assieds-toi. Ah, merci, Sniff. Salut Zed. Alors mon pote, qu'est-ce qui t'amène? Tu veux un verre? Une tige? Non merci, je suis venu pour parler affaires. Tu me suis? Ah ouais, d'accord, je vois. Justement, j'ai un petit problème de liquidité là. Oh mais rien de grave hein. T'as qu'à dire à Dimo qu'en ce moment, ça tourne au ralenti. Alors le temps que je me remette à flot, j'ai besoin d'une semaine ou deux. Écoute, tu sais très bien que c'est pas comme ça qu'on procède. Pas d'argent, pas de marchandises. Donne-moi au moins une semaine, quoi. Rien qu'une putain de semaine! Va dire à Dimo que si je veux, j'ai de quoi le faire couler! Alors il peut bien m'accorder une semaine de délai! C'est pas ce qui va le ruiner! D'autant plus qu'il paraît que je suis pas le seul en ville à pas aimer sa façon de faire du business. Je lui ferai part de tes sentiments. C'est ça. Vas-y, ouais. Voilà, je t'ai tout dit. Reste à savoir maintenant si tu pourras fournir le matos dans un délai aussi court que ça. La question n'est pas là, Jack. Zed? Dimo, il y a un problème avec Gordo. Il veut pas nous payer tout de suite. Ok, appelle Bobby et passez me prendre au casino. À tout de suite. Désolé, une affaire urgente à régler. Bon alors, tu marches? Je vais voir. Je t'appelle, ok?
Mine-toi! Plus que 15 secondes, allez, dépêche! Il reste des téléphones par là! Et prends-moi aussi des bombes, s'il te plaît! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on s'arrache! Alors, Gordo, arrêtez, les gars. Hé, qu'est-ce que vous faites? Les gars. Non. Ah, enfoiré. Non. Non. Je t'en prie. Mais pas le con. Gordo. Non. Non! Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Hey, Dimo. Merci. Le garage est plein? Il déborde même. Là, on a pris les téléphones. Et les ordinateurs, hier soir, ça a donné quoi? 27 portables, je crois, et 3 PC. Par contre, il n'y avait pas en version chinoise. Ok. Ça nous fait une bonne semaine. Mais c'est Sparky, surtout, qui va être content. Excepté l'aile avant. Qu'est-ce que vous avez foutu? C'est pas ma faute. Il y en a qui ne devraient pas conduire le soir. Allez, restez pas là, je veux pas qu'on nous voit ensemble. Quand est-ce que tu nous appelles? Dès que j'ai la liste. À plus. Hé, hey, Dimo, regarde ça. Je t'ai mis un plus gros turbo et j'ai rechargé ta bouteille. Elle marche du tonnerre. Ça va, Polly? Tranquille. Ah!
par les jambes. Tu devrais te déclarer. Tu te ferais un max de thunes. Me déclarer? Tu déconnes ou quoi? Si je faisais ça, ce serait plus marrant. Allez, on rentre. Peter, un appel pour toi sur la table. Je prends. Inspecteur Dasher. Bien, Jack. Dans ce cas, tu peux passer au commissariat pour faire tes courses. John, rassemble les troupes, s'il te plaît. Bon, écoutez, vous tous. Moi aussi? C'est ça, Rodeski, fais le malin. Excuse. Comme j'allais vous le dire, on est sur le point de boucler une très grosse affaire, alors ouvrez vos esgourdes. Bien. Vous êtes au courant que depuis un certain temps, Blondie et moi... Ça va? Oui, excuse-moi. Bon, je reprends. Alors, je disais donc... Ça fait un bon bout de temps que Blondie et moi, nous essayons de mettre la main sur ce fameux Dimo et ses hommes. Et il s'avère que grâce à un intermédiaire, nous avons pu organiser une transaction avec lui cette nuit même. C'était ton idée, Peter? Un peu, ouais. En fait, cet informateur n'est autre que Monsieur Jack Hand, et désormais, il me mange dans la main. Espérons pour lui que tu les aies lavés avant. C'est vraiment pas drôle. Je rêve, là, ou quoi? Vous avez pas honte à votre âge? On dirait une bande de gamins. Bon, vous savez que ce Dimo est l'un des hommes les plus dangereux de la ville. Il est coupable de tous les délits imaginables. Trafic de drogue, attaque à main armée, vol de voiture. Si c'est illégal, il trempe dedans. Et qui plus est, c'est un homme de main notoire du syndicat du crime chinois. Et j'insiste sur ce dernier élément pour que vous compreniez à quel point cette affaire est importante. Alors comment ça se fait qu'on t'ait nommé responsable? Ah, très drôle. Bon, la transaction aura lieu à 5h00 dans l'usine de Jack Hand. 5h du mat? Dis donc, il fait encore nuit à cette heure-là. Bien sûr, abruti, qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait faire ça en plein jour? Voici un schéma de l'usine. Tout d'abord, vous serez une douzaine postés à l'extérieur. Ici... Ici, ici. Trois autres de l'autre côté. Et ceux qui restent, vous serez à l'intérieur. Bon, Jack Hand sera probablement accompagné de ses hommes. Blondie et moi, nous observerons la transaction dans le noir depuis cette plateforme. Je veux entendre aucune réflexion. J'ai une question. Oui. Et Dimo? Eh bien, je pense qu'il viendra avec son équipe au complet, ce qui fait 4 hommes, en comptant Dimo. C'est tout? Si c'est tout. Écoutez, ces gars-là n'ont rien à voir avec la racaille habituelle. Ils sont bien plus sournois que vous imaginez, alors gare à vos miches. Maintenant, s'il n'y a plus de questions, je crois que vous avez des préparatifs à mettre en place. Oh, une dernière chose. Je tiens simplement à vous rappeler que le budget de cette opération s'élève à 8 millions de dollars. Alors, faut que ça tourne rond. Ou c'est moi qui trinquerai à votre place. À 8 millions, ça fait un peu cher le verre. Toi, arrête de faire le con. Et grouille-toi de te mettre au boulot.
Ouais. Blondie, c'est Pete, on est bon. Qui ça? Eh, tu fous de moi ou quoi? C'est Peter, ton coéquipier. L'opération ah, d'accord, est c'est bon, alors, j'arrive. Alors ramène-toi ici pour que je te briefe sur les derniers coups. Le devoir m'appelle. À plus tard, mon cœur. Ça m'étonne pas. Garde un œil sur elle. Je serai là dans 5 minutes. Entendu. Allô? Elle est toujours là? Ouais. Elle a dévalisé le premier étage et là, elle s'attaque au second. Je suis en place sur le toit. Ok. Je te rappelle dès que j'ai du nouveau. C'est ça. Tout à l'heure. Ouais, je t'écoute. Elle est toujours là. Où ça? Elle est revenue au premier. Ça fait deux plombes qu'elle est là. Ouais, je sais. Bon, je te rappelle. S'il vous plaît, vous pouvez me les garder? Avec plaisir. Et je vous laisse regarder. Oh là là. Alors, voyons voir ce que ça donne. Pas mal. En rose peut-être? Oui. Voilà. Je crois que je vais le prendre. Dites, vous l'auriez pas dans une autre couleur? Je l'ai en bleu aussi, mais regardez celui-là. Oh, avec les plumes noires, essayez-le. Oh, la classe! Ça se porte un peu incliné, comme ceci. Ah, oui, je crois que je vais garder celui-là. Ah, c'est tout à fait pour vous. Il est trop beau. Et c'est des plumes de quoi? D'autruches sauvages. Oh, il me le faut. Alors, allez, je l'achète. Je vais chercher un carton. Enfin, elle a fini. Bon, on sort. Dans mon signal, tu la chopes. Bien sûr. Je t'appellerai. Vous faites du shopping? Oui, c'est ça. Ouais. Ne faites rien. Laissez tomber. La fille à côté d'elle, c'est un flic, compris? Merde. On remet ça plus tard. Ok. On se tire. Regarde celui-là. Voilà, c'est juste là. Gardez la monnaie. Bonsoir.
un beau cul, toi, tu sais. Pour qui tu te prends, connard? Au cas où vous ignoreriez une femme, ça se respecte. Quoi, on vous a jamais appris Salope. Les bonnes manières? Nous, les femmes, on est sensibles au respect et à la politesse, messieurs. Timo. Putain, salope! Je meurs de faim. Moi aussi. Là, vous avez déconné, les mecs. Bonsoir. Dis donc, tu es plus osé touché sans te demander la permission, après ce que je viens de voir. Voilà pour vous. Merci. T'as rien. Dis-moi. Hein? Désolé, chérie. Je recommencerai plus. Ah, merci. C'est pour un anniversaire? Non. Comment était ta journée? Bonne, j'ai pas à me plaindre. J'ai récupéré la voiture. C'est vrai? Est-ce que je t'ai manqué? Oui, bien sûr. Et moi? Et si on portait un toast? Écoutez, tout le monde. Je porte un toast à notre amitié éternelle. À l'amitié. À l'amitié. Si je vous ai réunis ici, c'est parce qu'on m'a contacté pour me proposer une très grosse affaire. Les filles, vous venez? Voilà, et donc je voulais avoir votre avis sur la question. Alors comme ça, tu n'as jamais eu de petit copain à l'école? J'ai jamais dit ça. Non, mais t'as pas dit le contraire. Pourquoi? Ça changerait quoi si je te disais que j'en ai eu 6? 6? T'as eu 6 petits copains à l'école? Quoi, c'est rien. Un au collège et le reste au lycée. Et à la fac. Ah. Oh. Oh, c'est dégueulasse. On est là, nous, les gentils, à se cailler les miches et à bouffer des saloperies à emporter pendant que eux mènent la belle vie grâce au crime qu'on est censé combattre. Je me demande si j'ai fait le bon choix. Sérieusement, Peter, t'exagères pas un peu, là? Non, mais réfléchis, il te reste encore à faire une vingtaine d'années, et puis après, c'est la retraite. Ouais. Sauf si je me prends une balle entre-temps. On dirait bien la pince. C'est ça. J'ai découvert une nouvelle boutique aujourd'hui. Ça s'appelle Oulala. Hey, tu veux que je t'évite, toi? Mais regardez, les gars, tu la sens, ma fourchette? Oui, ah, c'est bon. Ouais, pas trop, c'est pas bon pour toi. Mais c'est quoi ça? Tire-toi de là avant que je m'énerve. Slay, pas ici. C'est pour qui? Ouais, c'est ça. Profites-en pendant qu'il est encore temps, mon salaud. Parce qu'une fois en tôle, tu vas beaucoup moins rigoler. Surtout quand tu feras la femme. Tu fais chier, Slay. Rends-moi mes clopes. Non, je vais pas le répéter deux fois. J'y ai pas touché à tes cigarettes. Mon cul, ouais, Bobby. Je les avais posées sur la table. Non, t'es lourd, tu me fais le coup à chaque fois. Et pourquoi je les ai prises? Non, c'est bon, si tu les as pas, alors ouais. Au fait, merci pour le resto. Je me suis vraiment régalé. Allez, rends-les-moi. Tu cherches quelque chose? Qu'est-ce que c'est, clope?
Elle est bonne, Zed. Allez, en route. Tu me dois les excuses maintenant. Que dalle, ouais, je te dois rien du tout. Je veux les excuses. Allez, monte dans la caisse. Comme on se retrouve. Ça va? Salut. Non! Hé, hey, regardez celui-là! Allô? Dimo? C'est Jack. Alors, t'es prêt? Rendez-vous à 5h du matin dans mon usine. Ok, j'y serai. Regarde. Peter? Ouais? À qui est cet enfant? Oh, ses parents ont été victimes d'une fusillade. Mais enfin, Bill, va chercher quelqu'un pour s'occuper d'elle, tu veux? Oui, d'accord. Salut, toi. Bonsoir. C'est quoi ton nom? Lucie. Et lui, c'est qui? Mon copain. On va s'occuper de toi. Inspecteur Peter Dacher à l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Elle s'appelle Lucie. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Moi, c'est Cathy. Bon alors, tu m'as obtenu ce que je voulais? D'accord. Alors écoute-moi bien, mon petit Jack. On va t'amener l'argent et fais-moi confiance. On ne te quittera pas des yeux, alors pas de bêtises. Tu m'entends? Je te donne ma parole que si jamais t'essaies de nous doubler, cette fois, je te ferai pas de cadeau, mon pote. Au moindre écart, à la moindre connerie, je te flingue. Et j'aurai pas un seul remords. On y va. Attention!
Tiens, Dimo. Dernier appel, Jack H. Hé, hey, Casanova. Dimo est là. Ah. Je vois que t'es venu avec tout ton gang, Dimo. Quand il s'agit de 10 kilos, je suis méfiant. Tu sais, s'il y a bien une chose que j'ai retenue dans ce milieu, c'est qu'on prend jamais assez de précautions. Et ça, justement, c'est un truc que j'ai remarqué chez vous. Que vous manquez totalement de précautions. C'est une question de bon sens. C'est vrai, quoi. Regardez-vous, vous avez même pas de flingue. Les armes, c'est comme l'argent. Plus on en a... et plus on se sent en sécurité. Mais bon, je suis pas venu ici pour te faire la leçon, hein, Dimo. Est-ce que je peux voir la cam? Tout est là. Et toi, t'as l'argent? Bah ouais, je l'ai. Dimo, je te l'avais dit, moi aussi je suis une professionnelle. Oh que oui. Et elle a toujours un atout dans sa manche, tu vois ce que je veux dire? C'est pas vrai, Jack? Taxi! Laisse tomber, Jack. Tu ne peux aller nulle part. T'es cerné. Vous ne me laissez pas le choix, alors. Voyez-vous, ce que j'ai dans la main ressemble à un gadget tout à fait innocent. Alors qu'en fait, c'est une télécommande qui contrôle la mise à feu de cet ingénieux système placé au pied de madame. C'est une charge explosive tellement puissante qu'un légiste n'y retrouverait pas ses petits. Si tu fais ça, je te descends, Jack! Ouh, je suis mort de trouille. C'est à vous de choisir. Vous pouvez me descendre, mais si vous faites ça, je vous donne ma parole que dans mon dernier souffle, j'appuierai sur ce putain de bouton. Vous pensez que je bluffe? Alors allez-y, tentez votre chance. Tu vois, Dimo, c'est ce que je te disais. Contrairement à toi,
Je prends mes précautions. Oh, oh. Restez où vous êtes, ou je fais tout sauter. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Grenade! Tous à couvert! Moi, je rattrape Jack. D'accord. Le pont! Viens! Dimo, fais pas le con! T'as nulle part où aller! Tu peux pas sortir! T'es cerné! Carly, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, viens! Dimo! C'est celui que je préfère. Ne provoque pas ou ça va mal finir! L'enfoiré! Arrête-toi! Dimo, tu m'entends? Une fois par heure, et d'ici, c'est le seul passage pour revenir en ville. Si on fonce, on peut le rattraper. Message à toutes les patrouilles. Nous sommes à la recherche d'une Porsche 928 de couleur rouge, immatriculée 1, Hôtel, Alpha, November, Delta. Nous cherchons aussi une Nissan 200 SX blanche, probablement à la poursuite de la Porsche. Si jamais vous les apercevez, contactez immédiatement l'inspecteur DiMaggio. Ne tentez en aucun cas de les appréhender. Ils se dirigent apparemment vers la ville. Attache ta ceinture. Et tu m'écoutes? Attache ta ceinture. Ok, ça va, je vais la mettre. Je l'ai mise. Ça y est, t'es content? Où il est? Je le vois pas. Tiens, il est là, dans l'autre file. Et on finira par t'avoir. Le revoilà. Surtout, le lâche pas.
voiture 36 à Centrale. Les véhicules suspects se dirigent au nord de Moore Street. Je répète, Moore Street. Terminé. Bien reçu, 36. Prends à gauche. Hein, quoi? À gauche, fais-moi confiance. Ah, c'est pas vrai. Salut, Jack. Où ça? Regarde les traces. Ah, bien vu. Merci. Allez. Ça va, Carly? Hein, ça va? T'as rien? Oh, ma caisse, putain! La ceinture ventrale! Attache ta ceinture ventrale! Je vais le tuer, ce mec! Thank you.
Avec ça, je pourrais me racheter un manteau. Et moi, une voiture. T'as perdu, Dimo. Allez, amène-toi. Lâchez-moi. Tu pars en vacances. Et maintenant, tu la fermes et tu fais ce qu'on te dit. Je suis pas armé. Je veux pas le savoir. Bon, écoute, j'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. Alors t'as sûrement une explication valable à me donner. J'ai déjà tout dit. Je ne sais rien d'autre. Joue pas à ça avec moi, Dimo. Si tu refuses de coopérer, ça va pas arranger tes affaires. Inspecteur Dacher, cela fait 15 heures que vous détenez mon client. Alors à moins que vous ne l'inculpiez pour possession d'une valise remplie de sucre glace, vous devriez le libérer. Que je le libère, c'est ça? Te fatigue donc pas, l'avocat. On a largement de quoi le faire tomber pour trafic de drogue. Détention illégale de grenades offensives, refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui. Je m'arrête là, mais je peux continuer comme ça pendant des heures entières. Oui, eh bien, personne n'est parfait. Je vous rappelle cependant que grâce à mon client, on a retrouvé une grosse somme d'argent provenant des caisses de la ville. 8 millions, je crois. 8 millions? C'est ça, oui. Que vous aviez perdu, d'ailleurs. Que j'ai quoi? Non, mais je rêve. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire au sujet du meurtre de Jack Hand? Le meurtre? Ouais! Inspecteur, mon client est disposé à coopérer avec vous. J'entends par là que nous ne parlerons pas à la presse de criminels notoires qui l'ont confié l'argent des contribuables. De plus, mon client m'a informé qu'au cours de ses louables efforts pour récupérer l'argent qui avait disparu, le véhicule de M. Hand a explosé. C'était un accident. Et à moins de vouloir prouver le contraire, sauf votre respect, je suggère qu'on ne retienne que l'excès de vitesse. Qu'il règle l'amende. Et que tout le monde rentre chez soi. Merci, Richard. T'as été super. Carly? Carly? Bah alors, t'es où? Oh.